Alors, les 73 à tous. Donc, à droite, le haut-parleur du poste. À gauche, le web SD, les deux web SDR. Un Montréal, un Ottawa. Enfin bref, à l'écran, c'est l'inverse. Hachi! Et 73 à tous. 14 km 33 01 Rémi. Break 14 km 33 01. Quand je break, j'essaie de faire plus court. Directement l'indicatif, paf. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il est assailli de son côté, c'est pas évident. Faut gérer derrière. Hachi ! Ah, je vois ce qu'il manque. Voilà. Plus propre comme ça. Tain, là, ça passe. Les 73, 51 retournés, frangin. Alors, attends, il est 10h moins 5 là de ton côté. Non, je me trompe. Non, 11h moins 5, pardon. 11h moins 5 de ton côté. Ça va, j'ai entendu la côté météo, c'est pas très. Tu as 26 degrés. Eh ben, comme nous ici, pareil, on a la même température ici. Alors, il y avait de la pluie d'annoncer, on a un gros soleil, ou plutôt soleil voilé à la place. Mais là, ça va, au niveau température, c'est tout cuiro. Ok, QSL. Alors, au niveau de la station, donc là, au fait, pour toi, Gilles, je sais pas si tu as vu mon message sur Messenger, c'est bon pour toi, hein, y a pas de problème là au niveau vidéo. Hein. C'est redémarré, il n'y a pas de problème. Bon, je sais que tu auras compris. Hachi, là en ce moment, je suis en train de faire une vidéo un peu particulière là de mon côté. Bon, là, comme d'habitude, et en plus, je fais un direct sur YouTube de Calais sur le web, sur deux web SDR, Montréal et Ottawa.
Et normalement, si tout se passe bien, j'intégrerai aussi cette vidéo-là à la mienne. Le truc, c'est une usine à gaz. Ah, chie trois coups. Une vraie usine à gaz ici au QRA de ce côté-là. Retour. Ouais, ben tout ça, ben pareil aussi, hein. C'était normalement de 13h30 pour nous, heure française, 13h30, 16h. Quand j'ai vu 16h05 arriver, alors je me suis dit, ben c'est bon, je redémarre tout. C'est au niveau de la station, je voulais pas prendre le risque. Et imagine, au moment où j'ai le micro à la main, en train de papoter et tout, qu'il y a une coupure de courant. Ah ben alors là, c'est pas bon pour le poste. Pour le reste, bon évidemment, hein, j'ai préféré le couper avec parce que j'ai pas de sécurité derrière en cas de coupure de courant. Mais là, quand j'ai vu l'heure là tout à l'heure, je me suis dit, allez, je fonce, hachi. Hop là, les 73 de la station que j'ai entendu très rapidement, 14 km 3301, Rémi Dandy 33, du côté de Saint-Émilion, question la bataille. Ok Michel, les 73 ont tourné, je suis en compagnie de Gilles, 9 bravo Charlie 555, à qui je retourne le micro. Gilles, c'est Michel de Parampuire, Sud-Ouest France. Ah, je me permettrai pas, Gilles. Je me permettrai pas. Non, non, au contraire. Et le maître des ondes, qui est le maître des ondes de Québec, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je suis pas au Québec. Hachi. En avant Michel pour Gilles. Alors, je l'ai mieux entendu sur les web SDR que là en direct. Donc vu que j'ai bien écarté les deux haut-parleurs, si je fermais ma bouche, on entendrait mieux. Bon, on verra bien. Là, je mise pour expliquer sur l'effet stéréo. Pour récupérer le cadre.
Merci, tous à retourner, 73 retournés. Oh, c'est retombé. Ah, si. Il est où? Oui, monsieur. Ouais, j'ai entendu quelqu'un de ton côté. Quoi. Et t'as suivi derrière. Il est là. À part toi, j'entends plus personne, ni du côté Ottawa, Montréal et ici au QRA. Ouais, moi j'entends Louis, il est toujours là. Là. Oui, mais ben, c'est ça, c'est ton vidéo, Voilà, attends. Soit j'ai les neurones qui sont croisés, ou je sais pas, mais j'ai rien compris. Pourtant, tu me passes fort. C'est peut-être ça, justement, le problème. Tu m'es passé trop fort. Là, ben, je suis en écoute sur Ottawa, je suis en écoute sur Montréal-Laval, et curieusement, là, je vois aujourd'hui, j'arrive pas à t'entendre dedans. Moi, je m'entends dedans, ça m'a fait un effet d'écho et tout, là, en retour, je m'entends dedans, ok, je vois que ça passe bien. J'ai un peu de mal à entendre les autres stations dedans, et toi, ou alors je suis à moitié bouché, je sais pas, mais toi, j'arrive pas à t'entendre dedans. Alors là, quand même... Ah, j'ai entendu du monde derrière. Oh, ok, d'accord. Ok, là j'ai compris. Ouais. Et c'est vrai que oui, c'est un peu calme. Là. Ah si, j'ai entendu un peu, mais c'est plus léger.
Et ils sont passés où? Alors là, j'hallucine. Eh, on n'est que tous les deux, là? Oups, c'est quoi ça? Avant que tu reprennes le micro, là j'ai entendu quelqu'un, effectivement, de mon côté, là directement au QRA. Et ça faisait plus comme des gloussements. J'ai pas eu le temps de. Il a pas tenu le micro, l'OM, assez longtemps pour que j'arrive à le clarifier, quoi. Là, je sais pas du tout où il était, quoi. Hop. Ah, je crois que j'ai entendu opérateur José qui appelle. Oui, il l'a entendu. Celui que j'ai entendu. Les 73 stations. Le département 56 qui se signale. Oui, bonjour, bonsoir 56, merci. Enfin, j'en avais compris 56. Ici, il y a le droit au Saouli 555. Quoi? Moi aussi? Sur le Québec. Pour 156 ou 56. Ah, 56. Ah, il nous arrive de deux côtés. J'essaie d'améliorer. Désolé pour le bruit. Thank you.
Monsieur. Ah si, j'arrive à t'entendre quand même dans les web SDR. Mais voilà, par contre moi, on dirait que je suis carrément à côté. Je suis en train Attends, je suis obligé de baisser le volume de l'ordinateur. Parce que pour le coup, ça passe plus fort que moi quand je parle dans le micro. Ah mais de toute façon, la radio, c'est la CB, c'est pas fait pour se prendre trop au sérieux, hein. On peut s'amuser, on peut rigoler dans le respect des autres. Ceux qui veulent plus, ils passent à licence radio amateur, ils vont ailleurs et puis voilà, hein. Alors c'est tout léger, tu es sur le 27625.05. Mais et encore, j'ai pas trop cherché à affiner vraiment. Mais tu es juste un poil dessus. Attends, pour le coup, il y a le Brésil qui est venu nous dire bonjour. Attends deux secondes, Gilles. Les 73-51, 7-3-5-1, le Brésil, de 1-4, Kilo Mike, 3-3-0-1, Sud-Ouest France. Bon, ok, ça c'est fait. D'un cafouillage complet de mon côté. Vas-y, reviens-moi, Gilles, que j'essaie d'affiner un petit peu ça. Ah ben, il est où? Ok, bonjour à vous, de 14 Kilo Mike 3301 sur le Sud-Ouest France à côté de Saint-Émilion. Ok amigo, muchas gracias, un placer immenso, enorme por acá. Ok.
Zappa. Así que con Dios, grato, grato por el contacto, Carlos. Ok, merci. Je suis avec 9. Bravo Charlie. 555 sur le Québec, à côté de Montréal. Merci. Gilles, 9 bravo Charlie 555. Es-tu toujours là pour le Brésil? Et je bafouille, moi. Oui, on a le Brésil là, qui a rejoint le QSO. En lui parlant doucement en français, il comprend très bien et il est super content de parler avec nous. Ah oui, tout à fait. Alors, dernière mesure faite au niveau de la fréquence, tu es sur le 27625.06. Voilà, 27625.06. Ah, il y a quelqu'un qui a bruqué derrière. Tac, les gloussements. Ah, là à droite. Hop, là à gauche. À droite. Eh bien, à gauche, c'est bien. Bon, tant pis. Zut. Wow, il est où? Ouais, je vois ça, c'est calme d'un seul coup. Bon alors, t'as pu sortir, t'as sorti la moto là, c'est hier ou avant-hier? Oh, je sais plus. j'ai vu ça là sur la photo, t'es allé te balader? Ah oui, c'est ça. Ah, 100% QSL, ben attends, tu as bien de la chance, hein. Puisque là, ici, l'automne, on ne l'a pas. On ne l'a pas encore, c'est, vu les températures qu'on a, c'est le plein été. Même encore aujourd'hui, on est au-dessus des normales saisonnières, c'est toujours le plein été ici, quoi. Et c'est vrai que les couleurs de l'automne sur le Québec, c'est magnifique, hein. J'ai vu des photos sur Internet, c'est vraiment joli, hein. Ok, d'accord. Et tu comptes y passer la nuit et as-tu des chances de voir des aurores boréales? Comment que vous appelez-vous les caribous,
Oui, oui, non, mais c'est bien normal, tu m'étonnes. Je comprends largement, hein. Non, mais... Ah, il y a quelqu'un derrière. J'ai entendu dans le web SDR. Hachi. Oui, non, mais je veux dire, par là, tu pourrais passer une nuit à l'hôtel, par exemple, plus d'honneur, pour justement avoir le plaisir, sans prendre la moto, après, d'aller voir les aurores boréales. Et comment vous appelez ça, les caribous de ça, là, au Québec? Ah zut, ça a chuté, là j'ai pas compris là pour le coup. Ok, voilà, ça remonte. Ouais, je disais, ce que je voulais dire par là, c'est que là où vous allez monter plus d'honneur, je pensais que vous aurez pris une chambre d'hôtel pour avoir le plaisir après le soir d'essayer d'observer des aurores boréales. Et après, la deuxième question, c'est au Québec, comment vous appelez ça là-bas, vous, les caribous, vous appelez ça pareil ou ça porte un autre nom? Ah, d'accord. Orignal, d'accord. Ah, mais oui, j'ai déjà entendu ça à la télé. Oui, oui, affirmatif. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui se signale derrière, je sais pas, je vais laisser un blanc. Ok Gilles, c'est pour toi, tu as le Brésil derrière. Ah aussi. Ah ben si, hein, Louis, en avant Louis, hein, la porte est grande ouverte, hein. Gilles, il accueille tout le monde chez lui, il a poussé les murs, il a poussé les meubles, il a tout poussé, il y a de la place, on peut venir à 500 là dans son cuillère. Ah zut. Ah, je l'entends très très QRP dans le web SDR d'Ottawa. Les 73-51 retournés à lui. Oui, Brésil, 73 retournés. J'ai du mal à... Je ne parle pas votre langue. Pour moi, c'est compliqué de comprendre. Je sais que Gilles, lui, il comprend tous les pays. Il est beaucoup plus intelligent que moi, Hachi. Il comprend tous les pays. Je lui laisse le micro pour parler avec vous. Ok, ok. Bonjour, mon ami. Bonjour. De vous entendre. Je m'appelle Wagner. Ok, merci de parler un peu français. Votre très bon français, vous parlez. Et moi, vache espagnol, Hachi. Pour moi, mon prénom, c'est Rémi. Voilà. Il est ici 5h25 p.m. 17h25 ici en France. C'est bien, ça commence à être la fin de l'après-midi ici. De parler avec toi.
Merci. Merci beaucoup. Je retourne le micro sur 9. Bravo Charlie 555 qui lui est sur le Québec. Retour Gilles. Ouais, Gilles, il te remercie de le contacter. Je l'entends pas. Ouais, toi, tu veux, bah, tiens, ça me rappelle à la précédente saison, là, où on était en QSO journalier, comme ça, c'est souvent qu'on s'entendait très bien tous les deux, parce que là, moi, tu me passes toujours très fort, et je vois aussi, là, que ça passe très fort de ton côté, et comme si on était les deux seuls au monde. Ah, chie trois coups. Alors si, pourtant la porte est grande ouverte hein, au niveau de la propague, hein. Mais c'est les OM qui sont pas présents, et du coup qui donnent l'impression que la porte est fermée, ou en train de se fermer, et pourtant non, non non, la preuve, hein, vu comment je t'entends, vu comment je m'entends aussi là sur Montréal-Laval, c'est sur Ottawa que je m'entends le plus fort. C'est sur Montréal, j'ai pas mal de QRM là sur le WebSDR. Sur Ottawa, c'est propre. Et là, je vois une méchante traînée que je fais là-dessus en ce moment même. Ouais, ouais, ben, de mon côté, ça fait un peu pareil aussi. Et là, 57, 55, ça tourne autour de ça, quoi. Eh ben, t'as dû tout couper parce que t'es descendu à Santiago 3, là, maintenant. Il s'est trompé de bouton, gars. Et où ? Et je l'entends à gauche. Et à droite aussi. Il est là. Ouais, t'es vraiment sur cette fréquence-là, Gilles. Il est trop chaud, le poste. Pour bien faire, il faudrait que je me souvienne de ta voix à l'occasion d'une discussion ailleurs. Il faudrait que j'écoute les deux côte à côte là. Pour être très précis sur
Si je trouve, c'est peut-être plus là qu'il est. Alors je l'entends en stéréo de mon côté, mais en QRP, les 73-51 Claude, 14 km, 33-01 Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest France, au QRA à côté de Saint-Émilion. Ok, tout ça retourné, merci. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Je l'entendais un coup à gauche, un coup à droite. C'est un petit peu compliqué là sur la fin. J'attends de faire des tests, que ce soit pas trop violent. Alors, du coup, c'est le rouge qui paraît, qui flash le moins. Merci, tout ça retourné. Hehehe
au niveau de son calage en fréquence, j'hésite entre là. Peut-être là. Oh. Il y a quelqu'un derrière. Alors je l'ai entendu en QRP sur du côté Québec-Canada. Voilà, sur les voies BSDR. Mais au QRA, non, il passe pas. Donc les je renouvelle une fois de plus les 73-51 de ce côté, Hachi. Ah si, ça y est. C'est moi qui déconne. Il entend tout le monde, lui, c'est la tour de contrôle, c'est la tour de contrôle. Bah du coup, lui, je l'ai entendu, il a très QRP là au QRA. Des fois, l'oreille fine. Hein. Ok, merci pour le retour. Là, j'ai eu du mal. Attends, j'entends du monde parler derrière, je relâche le micro. Ah ok, mais quand j'ai repris le micro, il m'avait semblé entendre quelqu'un d'autre derrière, c'est pour ça que j'ai vite relâché. Alors je l'entends sur... alors au QRA, c'est très très QRP. Et côté Québec-Canada, j'arrive à l'entendre aussi. Bon, c'est QRP, mais je l'entends quand même mieux du côté Québec-Canada que ici au QRA. Mais bon, il passe quand même au QRA, mais c'est faut vraiment que j'ai pas du tout de QRM pour arriver à le sortir. Hein. Et aujourd'hui, j'en ai pas. Ah oui, c'est vrai en fait. Alors des fois, j'ai 5 points de QRM. Oh oui, monsieur. C'est bon ça, mais faut dire aussi que t'as un super QTH hein, pour ça. C'est quand on regarde un petit peu là sur Google Maps hein, comment tu es installé, ce qu'il y a, où tu es installé, ce qu'il y a autour et tout. Ah tu m'étonnes, c'est ça peut passer oui. Oh oui, oh oui monsieur. Là, t'as tout ce qu'il faut de ton côté au niveau du sol, des environs là pour que ça passe vraiment super QRO et que ça soit un vrai aspirateur à station, voilà chez toi. Hein. C'est dans un bon secteur, dans un bon couloir, c'est-à-dire un bon couloir.
ouais, 100% QSL. Puis en plus de ça, autour de toi, enfin du moins sur une bonne partie, tu as, d'un côté, t'as une rivière ou un fleuve, de l'autre côté, t'as un grand lac. Donc on imagine que le sous-sol, là où tu es, ben en dessous, eh ben, il doit y avoir certainement des sources, ça doit être très humide en dessous. C'est, y a tout ce qu'il faut là chez toi pour que ça passe super bien, quoi. Qui m'étonne. Eh ben t'as raison. Ah oui, c'est ouais. Eh ben t'as eu raison, t'as donné l'astuce et oui c'est vraiment ça quoi. C'est et si un jour toi nous quand on sera à la retraite, on a la possibilité de déménager vers le nord-nord-ouest France, c'est-à-dire du côté du département du Pas-de-Calais. Mais là, ça va être pareil aussi, hein. On va sur les maisons qu'on pourrait éventuellement voir là-haut. Je vais tout de suite regarder dans la voiture ce que ça donne. Et si je vois que c'est pas bon, qu'il y a beaucoup de QRM et tout, alors là, ça sera niette, hein. C'est. Mais tu vois, là, ici, chez moi, malgré que je sois dans une cuvette, au niveau du sous-sol, il y a pas mal de sources et tout qui passent. Donc, j'ai un sous-sol qui est un peu humide aussi. Et ça m'aide drôlement aussi à passer, quoi. Ah, zut. Ok, d'accord. Bon, par contre, je suis en train de regarder l'heure. Il va falloir que je me décide à me mettre un petit peu au travail sur mes trucs et tout ça. Et puis en même temps, avant de recevoir tes vidéos, Hachi, je voudrais vite me mettre au travail de mon côté sur les miennes. Donc là, je vais passer en QRT. Je vais te laisser avec les copains là sur les ondes. Bon, je t'envoie les bonnes 73-51, Gilles, 212 cuira. Et comme dirait l'autre, à demain si vous le voulez bien. Oui, monsieur. Merci, ben moi de même, c'est vrai que c'est. Non, je suis reparti là. Allez, je cuire. Et merci encore à toi aussi. À plus tard.